culture. On vous retrouve, Linda. Bonjour. Bonjour. Bon début de semaine. Alors, j'imagine le week-end a été riche. Bonjour, Linda. Oui, il a été relativement riche. Voilà, on commence à avoir quelques. On a eu des rendez-vous sympas ce week-end déjà avec la fameuse exposition liée aussi au tissage, notamment à l'Aubar. Vous savez, cette partie du chameau avec laquelle on fait de beaux burnous, des rechebia. Et qui tient chaud. Qui tient chaud, absolument. Vous avez Menouba, qui est styliste, créatrice de mode, qui a lancé carrément des tenues, des kimonos à base d'Aubar. Des mini rechebia aussi, j'ai vu ça. des rechebia. Et puis, elle est revenue aussi sur tous ces tissus qui font le patrimoine matériel algérien des hauts plateaux, notamment ce fameux tissu. C'est bien sûr prix du dromadaire, ouais. De cette étoffe, donc ô combien cher aujourd'hui. Et elle en a fait des véritables merveilles, des œuvres d'art extraordinaires. Elle a mixé aussi avec des tissus, avec des soieries, avec des dentelles. Et ça donne quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, c'est très, très, très joli. Et puis, vous avez aussi... Madame Tawahria qui est actuellement au Palais de la Culture, et elle, c'est métissage. Donc, elle, ce sont des œuvres d'art, d'art plastique. Elle expose actuellement au niveau du Palais de la Culture, la Galerie Baya, et qui, elle, revient aussi à toute cette vie rurale, un clin d'œil à la campagne algérienne, à l'amour qu'elle a pour son pays. Elle expose jusqu'à pratiquement la mi-février au niveau du Palais de la Culture. Et puis, nous avons aussi des expositions de produits artisanaux, au niveau de la Galerie Couleurs et Patrimoine, qui propose aussi de très, très, très jolies choses en matière de céramique, des objets à base de produits d'artisans, et aussi des œuvres d'art des artistes peintres plasticiens qui exposent encore chez elles. Nous avons aussi Azougli, Abdourahmane Azougli, qui est au niveau de la Galerie Racine, Ahmed Mimoun à la Galerie Zouar. Voilà, toutes ces belles personnes. Actuellement, nous sommes autour ou des conférences ou des arts plastiques. Et puis, voilà. Donc, on reviendra tout à l'heure sur le patrimoine matériel. Bravo pour nos artisans qui font de belles choses, comme c'est le cas avec la modernisation de ces burnous. Et puis, absolument, la rechebia revisitée. Pourquoi pas, on vous verra un jour en rechebia dans les rues de Milan. Pourquoi pas? Ben, vous savez, les kimonos rechebia de Menouba, de Rimenaifi, s'exportent bien. Complètement, ce sont des chefs. Et c'est super. Voilà. Merci, à tout à l'heure, Linda. Merci.